Champion de l'année. On ne valide pas. On ne valide pas. On ne valide pas. Sans patate. Thomas, on ne valide pas. On repense à nos réglages. Ah putain. Virage après. Ce jeu est quand même passionnant, quoi. Après, ça te donne quand même le goût des choses terminées, quoi, parce que... Le goût des choses simples. Quand t'arrives au bout... T'es heureux de jouer après, tu vois, et te mettre dans le mur pour les virages. Plaisir. Mais alors, par contre, oui, alors, il est 21h40, évidemment, donc on va peut-être être moins... Oui. On va peut-être avoir moins envie de relancer la course, donc bon, méfiez-vous quand même des premiers virages, quoi. Déjà, les qualifs, après, on en reparle. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Quelqu'un n'est pas prêt. Non, est-ce que quelqu'un n'est pas prêt? C'est comme ça qu'il faut le faire. Ouais, mais c'est plus chiant dans l'autre sens. Ouais. C'est parti. Non, ah bah non, d'accord. Si, c'est parti. Non, oui, non, oui. Non, non. C'est bon. Oh. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos. Comme dirait Fernando Alonso, l'intellectuel. J'ai pris des pneus rouges. Le plan. C'est bien. Bonne idée. N'oubliez pas, si vous êtes PO, vous pouvez choisir des pneus, les gars. Bien sûr. Dans le top 10, vous regardez les films des qualifs aussi. Il y a un sponsor Elplan dans le jeu. Mais bon. Ah, c'est une marque. Hein. Ah, t'as le sponsor HV. Ça correspond. Ça marche pas mal aussi. Ouais. Allez, bonne chance. Hein. Bah, mais bon bien. Hein. Bonne chance. Hommage à Valtteri Bottas. C'est qu'on se fait un peu chier. Pourquoi en fait? C'est 35 milliards d'heures d'entraînement. Il n'y a pas de part fermée. Hein. Normalement, non, mais non. Bon, comme on fait les parties souvent. J'espère parce que clairement, j'ai un problème de réglage sérieux quoi. Non, mais j'ai en fait, à chaque fois que quand je sauvegarde en ayant terminé de régler les paramètres, quand je recharge la partie derrière, il y a des paramètres qui bougent, hein, donc bon. J'essaie de les remettre, mais. Il est pas top les setups qu'on a trouvé, je crois. Bah, j'ai pas trouvé le plan en beau, quoi. On ne valide pas. Surtout pour ceux qui ont. Setup génial. Ont échoué à avoir un bon setup. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voiture, les mecs? Bon, tant pis. On a pris un setup avec ta voiture. Nous, on a utilisé la technique RPBCT, quoi. On a trouvé un setup, on s'est dit le premier il est bien. Et bon, on a utilisé ce setup. Bah moi, j'ai pris le premier que j'ai pris, était bien. Je suis rentré dans le 6, la voiture est partie en tête à queue direct. Ouais, pareil. Moi, j'ai eu un petit problème de téléviseur qui change de chaîne au début dans le virage numéro 1. On ne valide pas, hein. On ne valide pas. En fait, j'ai mon Apple TV qui s'est allumé, qui allait finir une mise à jour. La télé a dit, mais faut que je lui montre ça en toute urgence. Et donc, totalement changé de source. La base. Ah, par contre, du coup, j'ai entendu ma voiture se fracasser dans le mur. C'est sympa. Il y a combien de tours? 29. 29, ouais. Il nous met 40 tours. Ouais. Il nous met 2 tours de plus d'essence. Il compte que faire. Au cas où tu veux vraiment ne pas freiner. Ah,
paraît c'est mieux que Monaco où ils avaient 42 tours d'essence alors qu'il y avait 39 tours sous la pluie. Ouais, je reviens pas tout. Ouais, profitez-en pour. C'est comme sur les anciens, les départs. J'ai pas fait un seul départ. Moi, j'y arrive pas, je perds 2000 ans à chaque fois. Ça patine un peu plus, hein. Ouais, non, mais c'est, la phase, c'est la même, quoi. Le embrayage, l'accélération. Ouais. Ouais. Okay. Ce truc qui va être différent pour toi, ça va être le passage dans les stands. Il faut que t'appuies sur un bouton pour le turn-in, là. Ah, ouais. Bah, c'est bien. Je le sais pas, j'ai pas testé, donc ok. Et le tour de formation aussi. Normalement, c'est le même bouton. Normalement, c'est le même bouton que le bouton 1 qui te sert à faire ton tournée. Ouais. Faudra te placer manuellement sur le tour de formation. Ça, c'est bien. Ouais, sur la grille, ouais. Ah. Mais ça, c'est facile. Ouais, c'est facile. C'est facile, ça. Ça se fait en conduisant, donc ça va. De toute façon, au pire, si t'es au mauvais endroit, tu recules de 3 mètres. Ouais, mais au pire, je crois que c'est Benlop derrière moi sur la grille, donc c'est pas grave. Oui. Moi, je vous regarderai tout ça. Ben Lop, c'est moi le mec qui a... En fait, le drapeau vert à l'arrière, c'est moi, là, tu sais, au début de la course. Hein. Ah, celui qui court dans la voiture qu'au moment après, c'est bien. C'est lui qui a fait une petite scénographie. Ah ouais, au Japon là, mais qui en même temps était un peu se chie un peu dessus parce qu'il était là-bas. On attend qui là du coup? Je sais plus qui c'est. Il y a Shinny, je pense, qui est parti. Ok. Ouais. Et moi aussi. Que les personnes qui ne soient pas là. Non mais. Que les absents lèvent la main. Moi. Esprit, es-tu là? Esprit n'est pas là. Cool. Lotus, Esprit, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien joué. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça là? Ah, il a validé. Alors ça rien. Qu'est-ce qui se passe si on appuie pas sur le bouton commencer la course? Il peut bien se passer. Mais je me suis jamais aussi bien qualifié moi d'ailleurs. Ah, peut-être que c'est un des chats de Fab qui va valider. Non, c'est bon, je. Je m'en suis débarrassé, je les ai. M'en suis débarrassé. Ils ne valideront plus jamais rien. C'est déjà arrivé ça? Ah, ça m'est déjà arrivé, oui, dans un tour qualif que le chat monte sur le clavier, du coup j'ai pas fait un bon tour. Bon, le bureau il est fermé, il n'y a pas moyen que ça rentre. J'ai pas de monsieur parapluie aujourd'hui. Non. Est-ce que quelqu'un n'est pas prêt? Oui, deux secondes, je suis en train de finir un truc. Ok. Parce que j'essayais de changer l'ordre hard-soft, mais c'est toujours aussi rapide. Ah, tu pars en hard? Comment... J'ai du mal à le faire, mais... Ouais. Bien chaud. Ouais, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, du coup. Il n'est pas prêt. Ouais, let's go. Eh bien, écoutez. Let's go, Marco. Absolument. Bon courage. Bon tour de formation. Ouais, mais déjà. Au moins, moi, je sais que j'ai une personne derrière qui va me faire chier, c'est un peu l'avantage. C'est vrai. Mmh. Moi, je parle trop devant, j'ai pas l'habitude, alors désolé. Hein. Putain, j'ai cette bagnole, incroyable. C'est bien qu'on puisse changer les finitions maintenant, d'ailleurs, les genre métallisés, machin, etc. Ouais, c'est pas mal, ça. Parce que ça a toujours été un problème avant, c'était livré avec des motifs sympas, avec des matières dégueulasses. Et vice-versa. Ah non, c'est Robert qui est à ma gauche. Avec ma très jolie livrée, t'as vu? Très bariolé. Putain, ouais. Ça patine, hein. Ouais. Ouais. Faites attention, ceux qui découvrent. C'est moi, c'est ma faute. Merci mec. Hein. Je crois que les pneus vont être un peu frais. Hein. Alors, on est juste au milieu du peloton, faites pas gaffe. Oui. Ça va bien se passer. Petite question, est-ce que quelqu'un me voit laguer ce soir du coup? Non, je t'ai pas vu. Plutôt. C'est mal que mes tours minutes il varie là. Il y a Clovin qui doit être derrière moi, je crois. Putain, on a reculé la ligne de départ et tout, putain, vas-y, écoute. Au moins, vous serez bien placé dans votre emplacement. Ah, pas terrible, hein. Oh, ouais, c'est pas terrible. Terrible, hein. Je vois la ligne rouge venir tout devant moi. Ah. Oh, je regarde le public, au moins, du coup. Vous serez placé. Le public, il est heureux, en tout cas. Le public, il nous applaudit et tout, hein. Il est trop. Ouais. On va accélérer à votre tour, les gars. Bah, ça attend. Ouais, d'après aux Brésiliens, Australiens, Anglais, tout, on est français tous.
les gars. Ah oui, non, c'est quand il y a collision, parce que là, je viens de taper le mur et il s'est rien passé, très bien. J'ai juste plus d'aileron, quoi. Oh, pardon. Oula. C'est le premier virage sur le chauffe, quoi. Ah, ça coupe en verre. T'as une légère touchette. Comment ça va, regarde. Pour l'information ou une safety car au SSC, qu'on comprend pourquoi Perez a laissé plus de 10 longueurs de voiture. Hein. Ils en tiennent pas compte, mais ils en tiennent compte quand même. C'est ça. Oui, c'est vrai. Allez, ça arrive. Ah, la poussée, la fameuse. Gars, t'as des voitures pour la route, les gars. Soulagement. Ils vont finir par arriver, t'inquiète. Dans 10 minutes, je vous considère comme définitivement perdu. Ils sont pas transparents par contre là, si. Oh, ouais. Si, normalement, ils deviennent. Normalement, c'est... Juste quand tu t'approches. Ouais, on t'inquiète pas, Mario. N'inquiète pas ma voiture. D'abord, je suis pas sûr que c'est ce très réglementaire. Alors, l'ingénieur qui dit super, tu t'es très bien placé. C'est très réaliste, super ça. Super content. Donc, faites bien attention au premier tour. Bon chance. Ah, compris. Usez-vous bien. Et merde. Oh putain. Oh, j'ai suivi Pierrot. Oh putain. Oh bah. Désolé. Pierrot, il a fait un 100% là, en un virage là. Ah putain, ouais. Moi, tu vois, si. Oh, mais j'ai les pneus froids, c'est pour ça que j'avance pas. Oh. Je crois que du coup, j'ai jamais fait un tour sur ce nouveau circuit en fait. Si. Je sais pas. Attention, le gauche-droite, il est. Avec le plein, c'est évident. Je fais bouchon, j'ai quand même l'impression. Une safety car, qu'est-ce qu'on va exploser les gars? Oh, oh. Faites pas gueule les gars. Bon bordel. Mais Gus Gus qui a failli en lancer une de safety car. Ah oh. Putain, y'a un Delta qui vient d'apparaître. McLovin? Oui, un petit peu optimiste à la réaccélération. Pour arriver à le suivre, il est sévère. Il me change les pneus. Ah, j'ai pas de drive spoon. Oh merde. C'est mon drive spoon. Oui, t'as le droit de faire ton drive spoon sous cette car. Yo, Yoken, comment ça va? Pourtant, là, ça changerait pas grand chose vu comment on avance. Quand même, pas trop mal. Du coup, je vais pas être disqualifié à attendre trop longtemps pour mon drive-through.
Bah... Non, non, non. Les tours sont pas décomptés pendant cette guerre du coup. Ouais. Ok. T'es pas rentré direct? Non. Je pensais pas qu'il y aurait une SC tour 2, je t'avoue. Je faisais une vanne en disant SC, c'était pas prévu. C'est mal de le connaître. Déjà, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas eu tour 1. Donc, tu veux me dire que j'ai fait au départ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé au départ, en fait? J'ai fait au départ. J'ai freiné comme un porc au départ, du coup, j'ai accéléré, j'ai dépassé. Et j'ai freiné trop tard parce que j'avais pneu froid. Donc t'as fait faux départ et tu m'as tapé derrière? Ouais. Mais le... Non, en fait, c'est... j'avais pas prévu que on avait annulé mon tour de chauffe, donc du coup j'avais les pneus très froids. En fait. J'avais pensé que j'avais des dégâts. Non, je n'ai pas, je crois. Désolé dans tous les cas. Mais c'est assez miraculeux parce que... Ouais, parce que j'ai pas été à demain mort. Hein. On a dû taper pneu contre pneu, ça. Ouais, je pense. J'ai rien non plus. Steph, il a le gros vibreur qu'à la sortie de la chicane rapide, là, des 10 et 11, je crois, ou 9-10 maintenant, peut-être. Est-ce que quelqu'un sait si c'est le vibreur à l'extérieur, à la sortie, il est safe En termes de dégâts, okay. Oui, il me semble. J'ai rien pris perso en training dessus. Ok, cool. Merci. Après, je suis pas en simulation non plus, mais. Ouais, dans 30 tours, on verra. Je crois que le jeu lui-même il est pas trop en simulation non plus. Bah, les lobbies le sont un peu quand même. Ouais. Surtout ne pas rouler à 250 sur safety car, hein, c'est important. C'est sous drapeau rouge. Et à 10 ouais. Longueurs de voiture. Quoique sinon c'est juste une réprimande, on s'en fout. Ça va, si tu le fais 3 fois, c'est une réprimande des 5 secondes. Ah, et une fois, rien du tout. Cet accès là qui fait au départ, c'est un drive pour les gars. Ce virage là dont tu parlais, Zeno ? C'est le précédent là. Le gauche droite. Ah ouais, c'est le gauche droite rapide là. Le gauche droite là, la chicane rapide. Ah ouais, non. Ah déjà ? Oh là là, elle déjà, est déjà, elle rentre déjà. Ouais. Alors là, en plus, les panneaux ils t'affichent un truc complètement incroyable, c'est le SC en vert. Ça clignote jaune autour, donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Oui, sur une bonne game ce soir. Alors là, la relance du coup... Je vais me faire des cubes, on reste tout, moi, vu qu'on s'est largué. Le froid, oh. Ça avait l'air violent. Il y avait de la violence derrière là. Déjà c'est CG, merde. Oh merde. Ah puis violent hein. Fortunately, Marshall don't know safety car. On était regroupés quand le safety car c'est... Ouais, ils sont... On est arrivé dans le virage devant la fin. Cela dit, c'est réaliste parce qu'effectivement, il y a un temps de latence. C'est clair. Ça, c'est pas réaliste. Ouais. Mais par contre, mon drive-through, je vais le faire au jour 23 en ce moment parce que. Ah, incroyable. C'était sur ce circuit qu'on avait eu les 840 safety cars d'affilée. Ouais, aussi. Bah le début de la toute première saison, oui, il y avait eu des problèmes. C'est ici que tout a commencé, hein, faut se souvenir. Je crois que dans le jeu, il y avait genre un débris qui était sur le circuit. Qui provoquait une safety car mais qui était jamais enlevée par le jeu. Donc t'avais une safety car, on reprenait, puis ça remettait une safety car. Ah, j'avais vu sur les anciens, des fois que t'avais le drapeau jaune qui avait toute la course aussi. Ouais, oui, ça on l'a vu aussi. À Monaco, je crois. Ça ouais. Si je fais échappe pendant qu'on est sous safety car, c'est... ça pose un problème ou pas? À tes risques et périls. Non, non. Non, mais ça aura remis les bonnes touches en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je voulais changer le mapping. Ah, vas-y, non, mais vas-y, de toute façon. On retient ta position et si jamais ça change, on te laissera repasser derrière. Une
qui aurait été qui s'est mis arrêté au centre. Le drive-through. Moi je le ferai jamais je pense hein. Oui, tu veux le faire là. Moi je le ferai jamais mon drive-through. Je le ferai pas. Fuck les instances. Continuez, continuez vos crashs les gars, je le ferai jamais. Pierre de Messette ou Charlie, fuck off. Un peu les regrets de pas avoir fait tour 1 du coup quand même, mais bon. C'est vraiment le bisou derrière entre vous, Tom's et Shinji. Oui. J'ai pas trop vu, j'ai pas, enfin, j'ai vu ça un peu en éclair dans mon rétro, mais. Ouais, j'ai juste une voiture. Bien entendu. Alors, en vrai, Shinji, je pense que tu serais mort hein, quand même. Enfin, Ouais. Ah ouais, je pense. T'as pupé le mur de face tellement fort que j'étais devant moi. C'était. Terrifiant. Je savais que j'aurais dû prendre que 45 kilos d'essence. Ouais, là. Je comprends même pas qu'on soit pas rationné d'ailleurs, dans le contexte actuel. Je comprends pas. Mais il est sérieux là. Ouais, ça reprend pas. Ça en pixels, on peut finir d'intervenir sur les pixels. On aurait dû le sentir, ça, Cyril, hein, parce que. Franchement, t'es presque champion, c'est quand même assez anormal que tu l'aies pas senti, mais c'est pas grave. Ok, ça va. C'est tryhard devant là qui... Moi je fais Kimi Raikkonen pour l'instant, là je vais tout droit. Nouvelle règle, ça va reprendre à la fin du secteur 1. Ça va dépop la voiture et vous déberdez. Ça a pas été proposé à Victor, ça. J'ai pas entendu ça, mais. Les restarts surprise. À tout moment, les lumières s'éteignent, tu pars. Tu dépasses la LT, tu déberdes. Ça, dans le genre, c'est bien une idée con, quand même. Parce que... C'est mieux que les camions, je trouve. Hein. Ah, c'est vrai qu'on aurait dû la mettre dans le sondage de lundi. Ah oui, c'est clair, celle-là. Oui, donc, ouais, non. Bah, si t'es Bert Mélander, tu dois pas l'aimer, celle-là. Hey, comme l'instant, on se frotter les mains, parce que... Avec la règle des points là, que personne ne savait combien qui avait été attribué et que c'était le bordel, c'est... Codemaster, ils ont dû se dire putain, heureusement qu'on n'a pas de drapeau rouge dans notre jeu. Les gens seraient fait niquer aussi. Hein. Ça se trouve, ils auraient bien appliqué le truc en plus. Oui. Mais avec un bug. C'est ça qui est beau. Ça aurait bien appliqué sauf parfois. Quoi. Ils auraient attribué tous les points. Mon ingénieur qui me dit que c'est le moment de. Ah bah là, disons, on est prévenu à l'avance. Ah, voilà. Je me rends compte que je suis mute depuis le début de la course. Ah, c'était pas bien, c'était pas mal, hein, franchement. Ouais. C'est pas mal comme invention. C'est pas mal comme invention là, le panneau effectivement SC vert avec le jaune qui est autour. C'est. Oui, t'as vu. Je sais pas où ils ont vu jouer ça, comme Masters, mais écoute. Du coup, Ben Love, je suis toujours l'homme invisible. Moi ça dépend des panneaux, il y en a où il y est, il y en a où il y est pas. Ouais, parce que moi je vois rien, je vois juste le panneau qui clignote. Ouais c'est pareil, il y a même pas SC. Ah ouais. Moi ça clignote juste, non, moi j'avais sans SC. Quoi? Voilà. C'est mort mon aileron, il m'a ralenti juste avant. Ma break test, elle a ouvert, il m'a break test. En même temps devant aussi hein, donc je fais ce que je peux. Hein. Ah je me suis fait deux fois ton cul, j'ai quitté l'aileron mec, t'inquiète. Hein. Les deux derrière, vous allez avoir un peu de retard, mais NP1. C'est calculé parce que clairement je suis beaucoup trop haut juste parce que je me suis pas crashé au premier tour. Ah d'accord, j'ai même pas le droit de faire le jeu de pour aller au stand, d'accord. Je suis disqualifié par ailleurs. Oh non mais. Mais. Blague. Mais... Merci pour ce point. Oh merde. Mais. Qu'est-ce qu'il y a? Il était disqualifié, Pierrot. Bah j'ai pas vu mon drive spot. Oh merde. Oh là là. Mais. C'est réaliste ce jeu. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Mes stands ont bugué. Alors, quand je suis rentré, j'ai pas eu le jeu pour refaire le truc tôt. Et Shinji, je veux pas te casser ton. Oui, je temps, sais, mais... je sais, je. J'ai pas de points. Mais bon. Je m'en suis rappelé après. Envie de crever. Là, j'aime bien cette course en plus.
On peut peut-être relancer. Alors mais pareil, on n'a jamais eu le DRS pour l'instant encore. Non. Mais c'est vrai. J'en peux plus quoi. Oula. C'est cher payé pour un départ anticipé quand même. Bah ouais. Je regrette de pas être avec nous sur un, tu vois, du coup, mais. Surtout, t'aurais pas dû freiner, mais quoi, vraiment, tu. Mais Stone. Mais Stone, on fout le bugger. En plus, je suis rentré, j'ai pas eu le jeu, ça m'a mis au stand, ça m'a changé, et m'a dit des TSQ. Et bah, yes. Ça a dû faire les 3 tours, je pense, avec les 2 sorties TESC. Bisous magique. Tom, faut que t'arrêtes hein. Bon, qui veut cast avec moi du coup la course là. Qu'est-ce qu'il lui fait ça? Sans blague. Allez, on a un petit fight là pour la 4ème place en plus. Let's go. Vous arrivez vous à sortir du dernier virage, parce que moi pas du tout quoi. Non c'est compliqué. Ah j'y suis encore. Oh, le dépassement de Tom's exceptionnel sans DRS, il a été le chercher hein, à la sortie. Je fais mon truly train du bout du monde. Vas-y passe. Alors que Doggy dépasse Robert. Oh oh oh. Alors qu'il y a du. Y'a Gigi qui peut rentrer ta queue. Est-ce que la ST va sortir? Pour l'instant c'est bon. Non, ça doit être bon là. Ah ouais, il faut qu'il y ait une voiture qui passe pas très loin. Allez, pour l'instant, on a Guscus et Tom qui se battent pour la 4ème place, c'est beau. C'est bon. Oh non, si vous voulez commenter, vous allez dans le channel commentaire par contre. Ouais, exactement. Ouais, je peux mute Discord aussi. Bon, let's go hein. C'est un peu deg hein. Franchement, Bon, mais la course s'est mal passée pour moi le début. Sauf que je fais pas le faux départ, je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, bref, tant pis, hein, erreur de ma part. Mais derrière, je peux faire de drive-through, DSC tout le temps. Là, il y a une espèce de lag break check que je me suis pris, mais bon, c'est de ma faute, je pense. En vrai, bah pas de chance, quoi. J'ai un peu cumulé les conneries du jeu. Mais je me serais arrêté tour 1, j'aurais pas eu de problème, quoi. C'est un apprentissage. On saura les prochaines fois, je m'arrête direct. J'attends pas. Comptais m'arrêter tour 2 hein. C'est tout de ça qui me rend un peu triste tu vois. Je comptais m'arrêter tour 2. De toute façon on a des écarts qui se créent un petit peu à Tom's qui arrive à suivre un peu Shinny. Oh je suis sauron. Oh putain. Non je suis sauron. J'ai peur non. Plus de voiture là c'est fini. Mais Tom je suis vraiment désolé, j'ai mis la cam sur toi, t'es parti dans le mur. Le terrible, le Jinx. Merde. Mais au même endroit que. Tu m'as vu déraper que t'as décidé de faire la même ou. C'est vrai que. Suivi, je crois. Et plus que tu pilotes en course déjà. Un tir est mort hein, déjà. Vous avez vu le DRS? Mes seuls points vont être à la régularité hein, au finish. Donc oui, ça, DRS, ça m'arrange. Il y a eu un tour de DRS là, ouais. Enfin deux même. Du coup, Cyril est en position royale pour être titré. Elle, là. Ah, ça pique du côté Cyril et Fab. L'accident de Tom, pile poil dans la fenêtre où tout le monde va avoir la même stratégie, que ça va être du coup tout nul. Merci Fab. Merci Fab. C'est Tom, pardon. Merci Fab. Ouais. Plaisir. C'est ce que je te dis. Cool, blocage de route, Dog 10 là. Ah, j'étais un peu. Oh le safe release là c'était. Oh Doc 10 qui t'arrête pas. J'ai vu ça. Ah disqualification de Cyril terrible. Oh le Doc 10 qui t'arrête pas au stand. J'étais en train de regarder derrière. Je suis pas sûr de ton plan, Doc 10 c'est pas t'arrêter là. J'ai déjà changé mes pneus. Oh mais t'es en soft.
Tu vas pas au bout avec ça. Ah non, non, je vais pas au bout. Tiens, dépend, 17 tours de safety car, ça passe. Je suis pas sûr à 100% de ton plan, mais ça se tente. Non, mais je table sur une prochaine safety car. Ouais, ouais, non, mais ça, là, c'est plus réaliste, hein, déjà. Et vous aussi, Lina, elle a pas freiné à sortir des stands. Elle vous a emmené quasiment dans le gazon au bout de la ligne droite, là. Ouais, un peu. Ouais. Après, j'ai 41% d'usure sur mes stuffs, c'est pas toi qui fais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est non, tranquille. Là, t'as deux tours tranquilles, là. Tu peux pas dépasser, moi. Je suis pas obligé de cravacher pour attraper le peloton sous tes picards, déjà, ça va être cool. Bon retour, Tom, dans celui-là. Tu tues Shinji, tu tapes Gus Gus et tu t'assassines tout seul. Franchement. Oh bah, je veux quand même plus dire. T'as détruit le fun de la strat aussi. Au moins, t'as pas validé. Ah, tu tapes Gus Gus en ligne droite. Oui, en ligne droite. Voilà, Tom, t'as pas validé, c'est déjà ça. Là, voilà. Oui, non, c'est il vrai. Progresse, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, vous n'avez pas de. Faut y aller, papa. Vous voulez faire une seconde course après pour le fun, un peu, hein. C'est... Écoutez. Ah, oula, parce que oula, A mon avis, vous feriez mieux d'organiser une course entre les gens qui ont abandonné là parce ah, que. Putain, je peux pas repasser. Ah non, mais moi j'ai un moment magique, hein. J'ai pas roulé, mais c'est incroyable. Hein. Est-ce qu'on rentre en position, Gus Gus? Bah non. Ouais, il est derrière moi, peu, bah hein. Vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez en tout cas. Moi je suis pour, vas-y, Gus Gus. Le jeu. Oui, il a enlevé les règles. Si, si, tu peux, vas-y, tu peux. Tu verras, tu peux, normalement. Terrible. J'aime le normalement. Normalement, on n'est jamais sûr. Je pense que c'est bien de préciser. Hein. Il y a la bim drive through. Moi je suis pour, c'est... Bon, c'est une maladresse à la con, mais bon, il n'y a pas non plus. Faut savoir que ça c'est quand même un bug, hein, parce que juste normalement c'est pas censé le faire qu'on puisse se redoubler sous safety car. Hein, ah. Ouais. Est-ce que t'es sûr de vraiment bien connaître le règlement? La dernière au stand est ouverte, les amis, pour le passage au soft. Voilà. Ah. Courant. Pit window open. Gus Gus, tu travailles vraiment de façon appliquée, hein, tu weave régulièrement. Oh, ouais, j'ai pas envie de. Moi derrière, j'ai la flemme, mais j'en branle pas une, hein, je tiens à le dire. Quand même. Bah, oh, comment tu l'as détruit son arrière. Ah, mais en fait, même sans rien. Les chauffes pas, tu vas. Non, mais sans rien faire, ils sont déjà chauds. Hein. Ça dépend ce qu'on appelle chaud. Sont plutôt frisqués, je dirais. T'as mis les dates de température, ça. Yo, Nuren, comment tu vas? Bon, on a subi la foudre de toutes les merdes possibles dans ce jeu. Mais c'est pas grave, on rigole bien. On rigole bien, mon cher Nuren. Les commissaires de Monza, ils ont pas trouvé le point mort encore. Il l'a annoncé maintenant. Bon. Un petit tour en plus, les gars, un petit tour en plus. Allez. Ah, ils l'annoncent quand ils veulent, c'est ça qui est beau. Non mais c'est bien, ça varie, c'est cool. C'est vraiment la finalité, c'est incroyable. C'est réaliste au moins. Ouais. Ça y est, j'ai vu le SC vert. Avec... Ouais. Elle va reprendre le casque, bien sûr, pour le départ. Est-ce que Fab va attaquer Cyril? Il était présent. Putain, il y a Fab, il a failli se prendre un Cyril qui tourne là. On le départ sur 100 en visuel. Je gère ce spec mode au volant. Hein. Rendez-vous compte. Hein. Oh non, les gars, putain. Ah. Sérieux? Oh non. Oh, sérieusement? C'est quoi ça? Oh non. Il y a un petit coup d'accordéon. Mais non, mais. Mais c'est catastrophique. Hein. Ah, Ben, c'était une mort nulle ça. Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé devant. Non. Instant Fab n'attaque pas. Ah, ça. Comment dire que ça. Mugello, tu connais GG, Mugello? C'est pris en voilà. Non. Ouais. Déjà 5 abandons. C'est catastrophique cette course, monsieur dame. Même rythme. Mais on est parti, le top 3 qui va peut-être enfin pouvoir s'envoler. Et c'est d'être horrible comme course, mais heureusement que je suis disqualifié. Hein. Voilà, ça fait 3 safety car que je relance, Fab. Il va finir par savoir où je relance, toi, donc je suis obligé de changer à chaque fois. Non, mais je me fais pas surprendre, je suis juste pas rapide. Hein. Ah non, je parlais pour les autres. Y'a vraiment aucun problème. J'ai attendu
C'est vrai que sur ce coup, j'ai attendu longtemps, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, pas d'attaque, hein. Ça crée des écarts directement. J'ai, ramène la voiture à la maison, t'es sur le podium. Allez, Robert. Honnêtement, je pensais que t'avais relancé. J'ai plus de pneus, je suis obligé de mettre des softs là. Fucking shit. Oui, bah c'est un détail ça. J'ai plus d'aileron arrière, on m'a éclaté l'aileron arrière. Ouais, t'as cru que j'avais relancé un peu avant. Bah, en fait, ouais. Tu te remettais en ligne. Et en fait, j'ai cru que t'avais avorté ta relance parce que tu t'étais un peu manqué en fait. Y'a pas une chose qui se passe bien dans cette course. Hein. Y'a pas une chose qui se passe bien dans cette course. Non, je ne me manque jamais. Heureusement que tu devrais avoir un joker pour une course, hein. Du coup, je la compterai pas celle-là. C'est bien que. Mais, ça m'est déjà arrivé ça de me rater. Hein. Ça fout les boules. Robert Ostend. Pas assez. Et GG aussi. Et y compris sous. Ostend. Ah, le départ, c'est vraiment mal passé quoi. Benop qui finit sa course et Robert GG Ostend. Un peu ah, ça fait des gros dégâts. Ils sont plus que 5 hein, à pouvoir prétendre peut-être à la victoire. Il y a encore, on a Gus et Doc 10 qui prennent du retard. Faut pas vraiment dans le rythme. Le tour sur drapeau vert, premier. Et bientôt le premier tour de DRS, les amis. On compte sur vous. Non, deuxième, on en a eu. Non, c'est pas encore en plus. C'est le tour d'après. On est à la mi-course, hein, pour info. Tombe bien, ils viennent me mettre à une stratégie à 4 arrêts, donc vous pouvez faire encore plein de safety car. Y'a pas assez de pneus, mec. Y'a plus assez de pneus. Ah, je sais pas. Mais... Y'en a 5. Normalement, non. Y'a 3 soft et un med à 1. À part si tu reprends celui des. Il n'y a pas de médium neuf normalement. Les califs. Ah, ouais. Ok. Bon, pour l'instant, on va voir. Je pense que ça va se calmer un peu maintenant qu'il y a beaucoup d'abandon. Il y a moins de voitures en piste. Un seul médium, un seul hard, tu vois. C'est... Faut voir s'il y a des erreurs qui vont se faire un petit peu derrière. Comme j'ai pété l'aileron, elle me dit bah. On voit un peu les erreurs qu'il peut y avoir derrière. T'as mis quoi en pneu derrière? On va regarder un peu. Alors que Doc 10 va enfin faire son arrêt au stand. Il m'a dit bon, je voulais garder mes hards et juste changer l'aileron, mais non. On a mis des médiums du côté GG. Ok. On a que deux caméras, très bien. Et on peut faire 6ème, 7ème. C'est fou parce que à Monza, ma voiture elle était en adamantium. Elle voulait pas se casser, quoi que je lui fasse. Et là. T'es mort nul. Là, j'ai vraiment ma voiture elle s'est juste pliée quoi. C'est vraiment. Mais la chute de FPS que j'ai dans les stands là. Ça. Ok, du coup, tes médiums, c'est celle de ton premier stint? Ah non. Ouais, il y a des gros écarts dans le fond, malheureusement. Je pense que Robert. GG, Robert et Doggy ne pourront plus se croiser, sauf si prochaine safety car qui pourrait être provoquée par les avant-postes. On a une seconde d'écart entre chaque pilote. Ouais, mais comme t'es obligé de changer de. Donc il y a des écarts, qui se créent. Forcément, la course qui va être un peu lente, Chini qui pourrait peut-être avoir le DRS. Ça me paraît complexe, le virage, il perd un petit peu de temps, malheureusement. Est-ce que Frapp pourrait réussir à tenir le DRS? Non, il y a Garado, finito. 46 millième du DRS. Finito. J'ai vraiment. Je peux même pas attaquer. Si j'attaque, je finis dans le mur. Hein. Ça, c'est clair. C'est... Ah, j'ai tenté d'attaquer. Tu vas avoir ce DRS. Ça paraît compliqué. Moi, vraiment, une seconde 0,55. Au fil des F1, c'est vraiment le truc. En fait, j'ai de moins en moins pu attaquer. Là, celui-là, je roule quoi. Ah, ouais. Meilleur tour du coup. Meilleur tour de fin. Ouais, mais. Ok, je. Je peux pas faire mieux que ça quoi, c'est-à-dire que là je suis vraiment à mon potentiel maximum, je n'attaque même pas quoi. Ok, mais non, mais Bono, c'est pas... mais my car dead, my car dead, le Bono Bono. Je dis pas ça, mais c'est que je ne peux rien faire. C'est bien mec de Twitch ça. Ce mépris quoi, putain, incroyable. J'ai plus de pneus les gars, j'ai plus de pneus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi mon seul mérite c'est de pas m'accidenter, pardon. Je me suis pas accidenté moi. Toi qui a tapé à l'arrière, hein, Oui, détail. Des bisous, Riku. Bon, Chini, il a moins de. C'est insupportable les replays avec les problèmes de voitures qui sont tout le temps en rupture. J'ai l'impression d'écouter une course de sa chèvre ou de brosse à dents électrique au choix. Moi, j'aime bien, c'est le 40 FPS d'un coup. C'est vachement plaisant comme jeu. Coup, sur la relance, en fait, il y a un petit coup d'accordéon, je pense, devant toi, Gus, si j'ai pas de conneries. Ouais, mais j'y ai participé aussi, du coup. Ouais, bah moi aussi, du coup, parce que je t'ai éclaté à l'arrière, quoi. Enfin, je. En fait, moi, j'étais en pleine réaccélération, parce qu'on était au lancer du virage, donc. J'étais prêt à relancer. Oh, chier, quoi. Ah, mais je suis DRS derrière Fab, c'est quand même beaucoup plus simple. Ah, ok.
Chigny avec le DRS qui pourrait peut-être faire quelque chose. C'était la première fois de la course que je me disais, genre, ah, là on va être un peu malin, on va faire un truc un peu différent. Et crac. Fracture de Lego. Franchement efficace, hein. Et de plus haut, ouais. Ouais, non mais ouais. 3 dixièmes, si je cherche à faire un truc différent, c'est réussi, effectivement. 3 dixièmes, est-ce que Chigny peut remonter sur... Est-ce qu'il peut tenter un dépassement, peut-être? Ouais, c'était une des rares actions, hein, cette fin de course. Je pense qu'il n'y a plus grand chose qui va passer parce que malheureusement il y a beaucoup d'écart. J'ai une chute de FPS dégueu à chaque freinage. Ah, c'est l'enfer. Ouais, moi, depuis le mode replay, je suis en chute de FPS constante. Hein. Je me chie un freinage sur 4, quoi. Chigny avec le DRS, oh, il pourrait. Cool, Oula! Oh, Chigny avec le DRS! Avec la culotte. Chigny avec le DRS! Oh, bisous! Oh, le bisou! Oh, ça reste pas beaucoup de place, hein, Chigny qui va quand même se battre. Mais ça va rester derrière Fab. Pour l'instant, ça va respecter. Mais attention, hein. Première action, première attaque de la part de Chigny. Et cette bataille pour la deuxième place, c'est Cyril qui s'échappe pendant ce temps. Forcément, 2 secondes 6 d'avance maintenant. Cyril en tête qui est bien parti pour concrétiser son titre de. Le joueur F1 est toujours un peu loin élevé quand même. Champion du monde. Quel con. SSC reprise, hein. Ouais, on rappelle, SSC reprise, SSC découverte, SSC passion. C'est pas énorme, quoi. Mais SSC, voilà, reprise. Il y a une différence de saison de 6 courses cette année. Il y aura sûrement plus de courses à la prochaine saison qui sera, je ne sais pas quand. J'ai pas les infos pour l'instant. Pour l'instant, on est 6 courses, c'est la 4ème course, messieurs, dames. Et nous vivons ensemble. Mais du coup, tu peux pas stratégiser tes batailles de la même façon que normalement, quoi. Tu peux pas anticiper les mêmes trucs, quoi. Et pour l'instant, Chigny qui poursuit Fab. Je vois les caméras du jeu, hein, qui sont pas terribles forcément, mais m'ont fait avec. 5 dixièmes. Est-ce qu'on pourrait retourner sur le prochain DRS, peut-être du côté Chigny, ou peut-être favoriser plutôt la ligne de départ. On va voir un petit peu comment ça va se jouer. Mais il gagne un peu de temps ici. On est en mode ERS, j'ai l'impression, du côté Chigny. On gagne un petit peu de temps pour l'aspiration. On dépasse. GG. Fab. Alors que GG remonte sur Robert pendant ce temps, ça va reprendre la position. Voilà. GG qui passe devant Robert. Vas-y, je te laisse passer, t'inquiète. Avec le DRS, pour l'instant, on dépasse pas du côté Chigny. On est à 4 dixièmes de Fab, on est très serré. Attention, pas trop chauffer les pneus, mais pour l'instant, c'est compliqué, hein, du côté Chigny. Troisième position, on arrive clairement pas à trouver de solution. Peut-être ce freinage qui est un peu tardif du côté Chigny, on perdra un petit peu de temps. Est-ce que ça pourrait être puni? On voit Cyril qui a besoin de 2 minutes d'avance. Et on push du côté Chigny, on push du côté Chigny. Est-ce qu'on pourrait chercher un freinage? On est un petit peu loin, j'ai l'impression, 3 dixièmes. Dans la seconde zone DRS, peut-être. Et bah, dis-nous, on va stopper du côté Chigny! Oh là 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 là, le DRS se prenne un petit peu trop tard, malheureusement. Et on. Ah, c'est dommage! Ah, c'est dommage! Sanction! Ah, c'est dommage! Immédiate! Arif! Y avait moyen d'une belle bagarre, et là, on a perdu un peu, mais Chigny a l'air plus rapide que Fab. Donc pourquoi pas, on pourrait le voir revenir dans les 9 prochains tours qui restent sur cette course. Instant, hein. Derrière, sur Gugu, sur 4ème position, Dog 10, 5ème, GG 6ème, 7ème, Robert, pour l'instant, les écarts se font un petit peu. La seule fight qu'on a, c'est vraiment cette deuxième place qui est en jeu. Chigny, Fab qui est régulièrement en seconde position, Cyril, pour l'instant, 3 courses, 3 victoires. Il est parti hein, pour un perfect. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a GG qui est parti en tête à queue, malheureusement. Une jolie voiture Gulf. On a cassé. Ouais. Gulf. On a cassé du côté de GG, j'ai pas l'impression, mais on s'arrête au stand dans tous les cas. Oh non, mais tu veux que ça change d'aileron? Pas de changement d'aileron. Si t'avais un accord de sponsoring sur une course, tu pourrais t'appeler Gulf Gulf pour le. Il va repartir. Et on va rattraper d'un tour hein, du côté. Merde. Je me perds avec les boutons, vous inquiétez pas. Attention à pas gêner, mais ça pourrait jouer un hein, GG qui est retardataire. Faut pas gêner le fight derrière entre Fab et Chigny. On va un petit ça peu. Va pas hein. Avec mes couleurs. Comment ça se passe? Bah, après, ça se change, monsieur. Non, il est toujours à 8 dixièmes, il est revenu, okay. Hein. Mais t'es sûr que c'est tes couleurs parce que... Le Sébastien Bourdais plutôt. Pas, je vais pas y arriver avec ces boutons. Donc c'est mes couleurs. Ah, pas gêner Spike du côté GG. Faut pas trop que ça impacte, on espère. Cyril est passé. Sur le retardataire. Robert qui a pris une place, hein. Robert qui prend une place malgré tout. Et ça c'est bon. McDonald's. C'est très très bon. Ouais que... C'est rallye édition là. Bah, surtout c'est rallye édition parce qu'il n'y a pas une voiture proche d'une autre. Ah si quand même, Chigny remonte sur Fab. Ah et Chigny qui remonte, hein. Chigny qui remonte 5 dixièmes. C'est vrai, pour l'instant j'avoue que j'ai un peu l'impression de regarder le rallye d'Australie quoi. Et il y a une voiture par-ci par-là. Regardez, GG devant, il s'est pas fait remonter hein, par Fab et Chigny, attention quand même. Hein.
On va voir si Fab a le DRS. Oh, bah, j'ai pas éclaté Cyril, vu que quand tu sors des stands, personne te dirait que t'as un drapeau bleu et que... ouvert. T'as minus, minus. Pas le DRS ouvert, bon. Du côté Fab. Mais sauf t'as 50%. Alors l'absence de drapeau bleu, c'est normal, hein, du coup. Bon, ouais, mais moi, au moment, en fait, je m'attendais à avoir... Il y a pas des règles activées sur les drapeaux, tout ça. Ah. Les choses sont pas mises, ce qui fait que les drapeaux bleus sont pas actifs. On voit que c'est pas réaliste, parce que là, il y aurait déjà eu... pour relancer l'intérêt du championnat. Un drapeau rouge, hein. Qu'une flèche blanche, donc je me suis pas inquiété. Putain, poisson chinien qui reste très très proche, très très proche. Ça attaque encore une fois. La on freine tard encore comme une fois du côté chinois. On ne s'en sort pas avec le DRS dans ce virage. Hein. Ça fait deux fois qu'on part large. C'est dommage, mais chinois, il faut vraiment qu'il commence à freiner plus tôt. À freiner plus tôt, parce que là, franchement, on part large. On part très large et c'est plus dur. Il commence un peu à s'user alors que GG part hors de piste pour laisser passer ses deux adversaires. On rappelle que l'instant Cyril en première position 3 secondes 5 derrière. Pas mes Chini qui te battent pour la seconde position, 4ème position Gus Gus à 7 secondes 5 de Chini. D'ailleurs à plus de 30 secondes, on retrouve Doggy en 5ème position, Robert en 6ème position. Et GG qu'on vient de croiser qui va se faire prendre un tour par nos compères dans la pute. Ouais pareil. Bon, faut que je fasse un arrosement parce que les pneus avant à 50%. Je suis disqualifié puisque malheureusement un petit bug au niveau du drive-through, vu qu'il y a eu des SC en boucle et je me suis pas arrêté le premier tour, le jeu a considéré que je n'ai pas fait mon drive-through. Bel Apex, hein, chérie. Et que pour 9, je me suis fait disqualifier alors j'étais au stand. Apex, c'est la vague. On sait pas pourquoi, c'est dommage, mais c'est la vie. Et on apprend de cette manière, même si on pouvait pas faire grand chose malheureusement de mon côté. Et c'est pas une truc chilien, hein, toujours. Et Fab qui nous passionne plus que tout. Est-ce que Chini va trouver une solution? Peut-être sur cette phase de DRS, on va voir. Il est encore un peu loin, j'ai l'impression. Il est encore un petit peu loin du côté Chini. Il gagne même pas de temps. Oh, Chini a l'accélération qui était pas bonne, malheureusement. Oh là là, il y a quelqu'un dans les... qui sort des stands. Attention, on arrive à deux. Robert qui est dans les stands aussi. Je me garde, je reste à droite. Merci. Oh, Robert qui nous a fait une petite frayeur. Mais Chini, pendant ce temps, pour l'accélération. Et le DRS peut-être ouvert qui pourrait aller chercher. Du côté de Chini, ah. On est à l'extérieur. On bloque les deux du côté femme un petit peu. C'est dangereux. Ça se bat côte à côte et deux pilotes, on va la respecter. Du côté Chini, laissez faire devant pour l'instant. Bon, on a encore 6 tours de fight pour la seconde place. Oh, j'ai eu peur d'un grand pital, mais au final, on a un vrai fight pour la seconde place. Gus au stand, attention, Gus Gus. Ouais, peut-être se faire rattraper par Doc Gist aussi. On a encore un petit peu d'avance, j'ai l'impression. Le jeu vient d'afficher un graphique de comparaison des pneus entre Chini et Gus Gus. Je pense que c'est très pertinent, effectivement. Mais vous êtes jamais au bon endroit en fait, faut être sur le pilote de devant. Mais c'est fou quoi, parce que bah oui, mais du coup je vois pas la bataille si je suis sur le pilote de devant. Ah bah ouais, mais faut faire des sacrifices. Bah ouais, faut croire. Ou tu veux voir la belle infographie ou tu veux voir la bataille quoi. Attention, ça va peut-être du côté Chini. Oh, oh le bisou, le petit dérive. Et Chini qui passe toujours pas pour l'instant. Et GG Robert derrière, qui sont aussi un fight pour la 6ème place, qui sont un peu au meilleur loge pour voir ce qui se passe. Je vais laisser un peu la marche. Et Robert qui est un peu plus lent, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas forcément à. Pas forcément à suivre. GG. On a une seconde 7 d'avance maintenant du côté GG. On va suivre ce fight pour la 6ème place, forcément. Mon dash, il réagit à ce qui se passe dans sa voiture. Incroyable. Et Chini qui prend un bon virage là. Qui est très bien sur les livreurs. Chini peut-être. Calme-toi, gars. Chini peut-être. Allez, pour l'instant, on va rester derrière. Oh, Fab, tu mets les pneus. Mais le reste, c'est parfait, hein. Très beau blocage, on a un meilleur virage par contre du côté Chini, on est un petit peu bloqué par cette voiture pour l'instant. Vraiment, Chini est plus rapide que Fab et il ne trouve pas pour l'instant ses solutions. C'est difficile à dépasser, donc on est le circuit de Melbourne, bien sûr, c'est pas le circuit réputé pour les dépassements. Surtout que cette nouvelle phase de ligne droite, on pourrait se dire qu'il pourrait y en avoir plus. Mais malheureusement, comme le virage est assez rapide derrière, c'est assez compliqué hein, de dépasser. Même si on a une petite DRS derrière, c'est assez compliqué, on ne trouve pas les solutions. Premier virage, chaque fois qu'on a le DRS, on se plante un peu du côté Chini. Second virage, on a essayé là, c'est pas passé. Cette phase de DRS là pour l'instant, pareil, on a essayé une fois, c'est pas passé. C'est un peu compliqué du côté Chini qui a pas les opportunités, les ouvertures. C'est compliqué, on a plus beaucoup de DRS du côté Fab, on a moins de 30%. On s'est à surveiller ça, un petit peu plus de DRS du côté Chini. On tente la tailleur, on fait le gros blocage, et c'est un peu large, on va faire des croisés par Fab forcément. Et oui, oh quelle bataille, oh quelle bataille nous vivons pour cette deuxième place, messieurs dames. La concentration, on entend les joueurs qui parlent presque plus, hein. Pourtant on est en radio constante. Oh, t'as pas l'âge du côté Chini. Ah non, Chini qui perd tout. Chini qui perd tout. Et Cyril, pendant ce temps, qui va claquer le meilleur tour et récupérer. En fait, vous bataillez là. Point bonus, je sais pas s'il y a un point bonus, ouais, mais dans l'idée, c'est là, 2 secondes 3 de retard. C'est compliqué pour Chini, malheureusement. Si il est plus rapide. Mais dès qu'il attaque, bah, il se précipite un peu. Et il trouve pas ses opportunités. C'est un peu dommage. On va dire, le chrono, il remonte. Chini, il remonte.
Allez, Cyril, pendant ce temps, trop bien en tête, des pas d'erreur. Ouais, tu peux reprendre du côté du futur champion du SST saison 7, sûrement. 3 victoires en 3 courses, et sûrement la 4ème qui se dessine pour Cyril. Il est en train doucement de rouler, il reste 4 tours, hein, pas faire d'erreur. Attention, Gus, il prend le meilleur pro, bien joué à lui. Ah ouais, d'accord. On va être en scope, bien sûr. Hein. J'ai pas vu qu'il a mis les rouges. J'ai cramé sous mes... fait chier au tour d'avant, ouais. Essayer de se battre on le va tout retirer. Et Cyril un peu déçu forcément, il a tout donné pour le tour et derrière. Tout mon énergie, alors que le sol est craquelé, attention. Ouais, bah moi aussi j'avais fait ça, mais bon, là de toute façon c'est impossible. Allez, pas pour l'instant, 2-7. Ça me semble compliqué hein, pour Chini. Maintenant on va essayer de railler l'arrivée. Gus, auteur du meilleur tour, 4ème position pour l'instant. Bien joué hein. pour ce tour. Dog Dispo en 5ème position. On a plus trop de batailles. Bon, c'est un petit peu bloqué la situation. Ça va avoir une carte sur le. On peut pas avoir une carte sur le mode spec. Non, on n'a pas de. Bon, on va faire 100, hein, c'est pas grave. On va faire ça. Allez, GG pour l'instant qui profite un petit peu du DRS sur Chini, ouais, justement. Il profite du DRS sur Chini, c'est bien, il profite bien, il prend un peu d'avance sur Robert. D'ailleurs, nickel Robert, un célèbre inconnu. Pour ceux qui ont suivi les courses précédentes. Même si j'étais pas en cast, vu que j'étais pas mort, heureusement. On espère hein, retrouver la piste la semaine prochaine, je sais pas le circuit encore, hein, c'est tiré au sort. À chaque fois, on est au courant, genre le lundi, de la course où on joue. Ça peut être tout et rien. Dommage, c'est vraiment le circuit, je pense que j'aurais pu faire la meilleure perf. On a fait une bonne qualif aujourd'hui, hein, encore une fois, hein, c'est décevant. C'est décevant forcément, mais c'est le jeu. Il faut faire avec les aléas. Et j'ai mal joué au début, hein, j'ai fait un faux départ, j'ai fait des conneries. C'est aussi de ma faute. Dog 10 au stand. Dog 10 qui a remis des pneus soft, mais Dog 10 qui troll. Hein. Dog 10 qui veut prendre le meilleur tour à Gus Gus peut-être. On suivra au prochain tour. Allez, Chini, il revient à moins de 2 secondes de fab peut-être. On va essayer à remonter sur ces 3 tours, ça me paraît compliqué. Hein. Peut-être un DRS au dernier tour, au tour 29, ça pourrait remonter. En tout cas, on est à 2-3 dixièmes par tour, j'ai l'impression du côté Chini. Et ça pourrait peut-être manquer d'un tour. On va voir un petit peu Chini et Vies de remonter. Hein, sur... Alors qu'il y a crash, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'était, je pense, peut-être Robert qui a fait une petite erreur. Hein. Ou GG. Donc 10 pour l'instant, c'est le 9, on va voir s'il peut sortir un meilleur tour. On le suivra au prochain tour. Chini toujours 3ème, une seconde 7, maintenant ça remonte tranquillement. On a combien de... Pardon. Ah, attendez. Il perd avec les commandes, mais... Le RS, ah ouais, il est vraiment très bas. On a moins de 20%, on voit la barre jaune en bas d'écran du volant. Là, on est à 30% du côté Chini. Donc on a plus de RS, et on voit hein, les chronos qui fondent. Et une seconde 4 d'écart, Chini qui continue sa pression. La pression est là, et heureusement, c'est lui qui la prend, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs à la moindre attaque. C'est compliqué, Dog 10. Surveille tes pneus, il reste 3 tours. C'est compliqué, hein. Surtout on va voir s'il s'en sort. Mais attention, un jour d'erreur, ça concerne un peu les pneus. Allez, Dog 10. Est-ce qu'il peut nous claquer un tour? On va voir, là il y a un peu de mal en tout cas, cette trajectoire. On voit un peu le joueur manette, regardez hein, le volet plus volant. Allez, Dog 10, peut-être pour ce meilleur tour. C'est maintenant, c'est le push de Dog 10. Il a plus que ça à jouer, faut pas trop porcher non plus, faut pas faire d'erreur. On est bien sur la ligne pour l'instant du côté de Dog 10, on peut espérer, pourquoi pas ce meilleur tour. Dommage qu'on ait pas les secteurs, hein. Ça aurait pu donner une information intéressante en course, on l'aura pas malheureusement. Allez, Chine, il y a une seconde 3, on continue de suivre, hein, bien sûr. Et forcément, on l'a vu. Si je comprends bien, il devrait ajouter le drapeau à Damien à la fin de ce tour, c'est ça? Le vibreur a été mis, dommage de la part de Dog 10. J'ai la ref. Ça fait 5 tours t'es, qu'il attend pour faire sa vanne. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'on a fait le lobby. Ouais, mais c'est seulement au bout de 3 heures si la course n'est pas finie et on a tous les points. Dog 10, je suis juste derrière. Pas très clair. Merci. C'est l'infographie Gus Gus Chini encore. Là, attention Gus Gus, tes pneus sont plus frais que ceux de Chini. Hein. Putain. Si tu plates, tu vas peut-être pouvoir remonter les 25 secondes en un tour grâce à cette infographie. Allez, une seconde 2. Oh, peut-être qu'on aura un tour pour Chini. Après, je peux faire une énorme connerie qui me coûte 25 secondes aussi. Un tour pour Chini et on coupe le DRS. Pardon, monsieur, ce n'est pas la piste. Ce n'est pas la piste qui a perdu du temps. Il a été un peu plus long que ça. Je peux continuer à faire parler Chini parce qu'il a pas l'air de savoir rouler en même temps qu'il parle. Ça a l'air d'être vraiment une complication. C'est vrai, hein.
Alors, elle finit pour le dernier tour. Qu'est-ce qui se passe? On ralentit. Merci. C'est surprenant d'avoir deux clics à plein intérieur là quand même. Ouais, désolé. Je vous dis ça un tour. Hein. Non! Je pensais que vous arriviez plus vite que ça. Bon, oh, Gus Gus, ça va? On a 4. Ouais, ouais, je suis passé. Oui, mais une minute d'avance, c'est bon, je peux. Eric qui démarre le dernier tour. Shinny, à moins d'une seconde pour ce dernier tour, est-ce qu'il peut aller chercher cette victoire, messieurs dames? Est-ce qu'il peut aller prendre cette deuxième place? Ça me paraît complexe, on l'a vu, pas une seule attaque a réussi. C'est vraiment, vraiment compliqué pour Shinny. Et pourtant, on est là à 8e au dernier tour. Est-ce que ça peut aller chercher sur cette dernière zone de DRS après la chicane dans le début du secteur 3? Alors Gus Gus s'arrête en stand, on sait pas pourquoi. Ah, mais moi je trouve ça oddly arousing, comme on dit, quoi. C'est vraiment. Il a cassé un au niveau du crash, quoi, tout à l'heure. Ah, mais c'est pas ici. Malheureusement pour Gus Gus. Il a assez d'avance, donc d'ici, il devrait garder cette 4ème place. Ce qui nous intéresse, c'est fait sûr Fab Shinny. Et pendant ce temps, Cyril, qui est seul devant, on le voit tranquille. Je vais faire quatrième à un tour, c'est ça le deal? Shinny qui vont être là. Patrick dit. Phase de DRS pour Shinny. Est-ce qu'on va y aller? On a un peu plus de DRS. On a plus de DRS du tout. On pourra pas l'avoir. Sortie descend à chaque fois. Oh, Fab qui va bloquer cette. Ouais, je suis visuel, je ne sais pas. Mais tiens, débute-toi. C'est compliqué. Fait freine, et le dernier tour. Et pendant ce temps, bien sûr, Cyril qui va aller chercher la victoire, mais on s'en fout. Mais il faut quand même l'avoir, c'est important. La victoire de Cyril, les champions du monde. Cyril, vainqueur de cette saison 16. Et ce fight qui verra Fab l'emporter pour seulement moins de 3 dixièmes. 244 millièmes, messieurs dames. 244 champion, mon frère. Millièmes. GG, GG Cyril pour le titre, incroyable. J'ai pas besoin d'attendre la cool room. Mec, on t'a préparé un petit fauteuil. J'espère que t'as un petit fauteuil là. Imaginez ça, les mecs, un champion de monoplace cette année. Qui sait qu'il est champion en franchissant la ligne. J'ai cru que t'allais dire en Australie. Je pense que Verstappen le savait déjà en Australie. Ah, au sûr. J'ai su encore. Non, en Australie, non. Alors, en Australie, il avait des doutes. Leclerc, par contre, sentait bien. Pourquoi champion? J'ai pas compris là. Il y a combien de courses? Ah, en fait, tu peux plus être rattrapé. T'as gagné 4 courses. Donc ça veut dire que tes deux jokers, c'est... Voilà. Ils serviront à rien, quoi. Ah, mais tu peux pas être attrapé. Il y a 4 courses sur 6 comptes, ouais. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est une petite saison. Ah oui, effectivement, oui, avec deux jokers. Oui. Ah bah... What a race. GG pour le pilote du jour. GG. GG, 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 GG. Vérité. Je sais pas trop pourquoi. Mais t'imagines Verstappen en Australie, en fait, il se disait encore, mais à quoi ça servait de tout ce budget gâteau et tartine. Hein. Je viens de réaliser mon rêve, détrôner Fab. J'étais en train de se demander s'il fallait vraiment pas que mon appart de la F1 du coup. C'est ça. Indétrônable, Cyril, hein, toute la course tranquille. Hein. Oh, mon meilleur tour de la honte, quoi. Mais bon. Mon meilleur résultat. Même meilleur DSQ, hein, jamais vu, hein. Incroyable. Hein. Bien. Ouais, du coup, ma stratégie a bien marché parce que du coup j'ai perdu une place sur Gus Gus que j'aurais perdu de toute façon. Puis après, bah, j'étais dans un No Man's Land, alors du coup j'ai pu changer mes pneus comme j'ai fait. Surtout comme on l'aime, on fait des ronds et puis il se passe rien. Moi j'ai la même régularité que Cyril. J'ai la même régularité que Cyril, je suis terminé à l'endroit où je m'étais qualifié. Et ça, c'est beau ça. Merci, Thames. Moi j'ai gagné quelques places miraculeusement quand même. C'est... Bah, je crois que l'action. Bon, le truc c'est que Shinji, c'est que on était tous les deux sur la scène, plus Ben Lop en tant que témoin. Attention, des excuses. Bah, Moi j'ai un peu de maîtrise à gauche, s'il y avait plus. De mon point de vue, tu traverses quand même beaucoup la piste pour revenir.